Que, comment, comment ça, euh, quel reconfinement Ils viennent d'annoncer le reconfinement à la télé. Le reconfinement comment Macron, Macron à la télé. Comment ça, c'est qui, Macron Le président Chirac Hein Non, ça fait combien de temps que t'as pas allumé la télé Pour vraiment que les jeux vidéo, sociabilise-toi un peu. Écoute, euh, Merde, il y a la vidéo qui a commencé, je te... Je te rappelle, hein Oui, je téléphone avec un Bon, bah ça y est, on y est, c'est le reconfinement, saison 2, 2.0, et... Le truc le plus choquant là-dedans, c'est que Danny Boon n'a toujours pas eu le temps de sortir son film sur la saison 1, qu'on a déjà la saison 2. Netflix est toujours plus fort que les autres. On va essayer de voir ensemble c'est quoi les mesures de Macron, histoire d'y voir plus clair, parce que j'ai pas tout compris. Ma fille était contente, puis après elle était moins contente, j'ai pas compris. L'Allemagne se reconfine partiellement du 2 au 30 novembre. C'est bien, c'est intéressant aussi de savoir que l'Allemagne se reconfine. Macron a pris la parole le... à 20h et il annonce pas mal de choses. La locution d'Emmanuel Macron enregistrée. La locution d'Emmanuel Macron a été enregistrée à dictant à l'Elysée. Merci beau gosse. J'ai jamais compris pourquoi il ne streamait pas en direct euh, depuis Twitch au final et puis ça sera plus simple. Le président de la République Emmanuel Macron prend la parole pour expliquer les nouvelles étapes face à la pandémie du coronavirus. Les efforts consentis ont été utiles, mais cela n'a pas suffi. Alors je l'ai écouté en direct à la radio. C'est du vent, c'est du blabla. Tu dis merde, mais fait un bullet point au bout d'un moment, arrête de blablater, fais un bullet point, bim, bam, boum, reconfinement. Voilà, c'est tout. Euh, ça sert à rien de dire moi j'ai fait mieux, on a fait au mieux, mais on n'a pas été assez. Bref. Ce qu'il a dit euh, des points intéressants, Emmanuel Macron affirme que les efforts consentis ont été utiles, mais cela n'a pas suffi. Nous savons que quoi que nous fassions, près de 9000 patients sont en réanimation à la mi-novembre, a-t-il ajouté. Emmanuel Macron reconnaît que nous n'avons pas tout bien fait. C'est déjà pas mal. Avons-nous tout bien fait Interroge Emmanuel Macron avant de répondre par la négative. Nous aurions pu aller plus vite au début sur les tests, reconnaît-il notamment sur pas que les tests hein, le, le bordel que ça a été juste avant le premier confinement Dé déjà l'idée de base l'idée de base il y a le dernier train pour Busan non pour Wuhan qui s'est déclenché en Chine l'idée de génie de la France d'aller chercher les soldats français à Wuhan pour les rapatrier à nos gens premier cluster de France mais tout a été bien géré bah, s'il y avait que ça mais il y avait tellement tellement de choses qui étaient mal gérées Malheureusement. Emmanuel Macron, la seconde vague sera plus meurtrière que la première. La seconde vague sera plus meurtrière que la première, provient le président de la République. Le virus circule à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipé. Là, j'ai mes, mes, testicules, on est, on est, on est, tu te fous de ma gueule au bout d'un moment. Tu, tu te fous de ma gueule. <laughs> on a, il y, y a plein de prévisions ultra pessimistes, presque Mad Max Fury Road. il euh, y a aussi des, des prévisions euh, J'ai oublié le, le, le contraire de pessimiste d'un coup. Optimiste. Mais globalement, euh, s'il y a eu des prévisions extrêmement pessimistes, bien avant même le premier confinement. Donc ça ne sert à rien de faire semblant euh, que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipé. Le nombre de contaminations a doublé en moins de deux semaines. À la différence de la première vague, l'ensemble des régions se trouve aujourd'hui au seuil d'alerte, a-t-il déclaré. C'est sûr que. Alors, je suis très critique. J'ai je, je, un peu comme ça. Je, 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 je... Bon, je comprends le confinement, mais il est comme ça. Donc je suis un peu critique, un peu acerbe, ça tombe bien, je suis d'origine serbe. Donc euh, ça fait ton sur ton. Hein. Rappel de couleur, look ravageur. Qu'est-ce que je voulais dire Le virus circule à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes, le nombre de contaminations a doublé en moins de deux semaines. À la différence de la première vague, l'ensemble des régions se trouve aujourd'hui en seuil d'alerte. C'est ça que je voulais dire. C'est sûr que quand ils voulaient pas reconfiner, quand on était pas trop malade, on va pas faire. Oh ben là, on risque de passer en, 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 en alerte rouge. Qu'est-ce qu'on fait On va mettre l'alerte écarlate. Ok. Et après, qu'est-ce qu'on fait En alerte rouge maximum. Mais qu'est-ce qu'on fait après Parce qu'on peut pas confiner. Alors, on va inventer l'alerte au-delà du maximum. Et après, ça sera la crise sanitaire. C'est sûr que si t'inventes tout le pantone, au bout d'un moment on y vient aussi. Tout ça pour pas reconfiner au moment où il y avait très peu, bah vaut mieux attendre quand ça devient ingérable et puis, euh, puis c'est trop tard. Je veux pas dire non plus que j'ai la, la solution, on est d'accord. <laughs> Ma responsabilité est de protéger tous les Français, affirme Macron. Dans ce contexte, ma responsabilité est de protéger tous les Français, affirme le chef de l'État, en protégeant à la fois les plus âgés et les plus jeunes. Comment il va faire <laughs> Là, c'est pour la, la partie rigolote, c'est la partie humoristique de son One Man Show. Je le répète, dans ce contexte, ma responsabilité est de protéger tous les Français, affirme le chef d'État, en protégeant à la fois en priorité les plus âgés et les plus jeunes. Comment il va s'y prendre Si vous n'avez pas suivi, il annonce que les écoles restent ouvertes, les EHPAD restent ouverts pour rendre visite, Je nique la protection. Au bout d'un moment, c'est pour moi c'est. Ouais. Le coronavirus touche sur des formes graves toutes les générations, ajoute-t-il. Aussi le rôle de chef de l'État est de protéger les plus modestes et les soignants. Nous leur devons de prendre toutes les protections, affirme-t-il augmenter les nombres de lits en réanimation. Nous sommes en train de le faire. Tu sais, on dirait, Cyberpunk 2077, qui vient d'être retardé pour 21 jours, on est en train de corriger les bugs, c'est pour ça qu'on l'a retardé. C'est pas pour ça que vous l'avez déjà retardé au début? C'était pas déjà pour finaliser les bugs? Et puis le retard d'avant, c'était pas aussi pour finaliser les bugs? Là, c'est pareil. Ils sont pas déjà en train, ils étaient pas déjà en train d'augmenter le nombre de lits, bien avant le premier reconfinement, et suite au premier reconfinement, qu'ils y qu'ils ont foutu pendant 6 mois? C'est si compliqué ça, de passer à IKH, c'est des lits Répondant aux, appels, euh, répondant aux nombreux appels à augmenter le nombre de lits en réanimation, Emmanuel Macron assure ⁇ Nous sommes en train de le faire ⁇ affirme que la France va monter jusqu'à 10 000 lits en réanimation. Macron annonce un confinement national à partir de vendredi. Donc c'est demain, enfin demain soir. Emmanuel Macron annonce un confinement national à partir de vendredi, alors... avec les écoles ouvertes où le travail pourra continuer, ainsi que l'ouverture des EHPAD et des maisons de retraite. Comment tu peux protéger et aussi laisser euh, des clusters potentiels continuer à, à, à travailler Et comment tu peux aussi protéger Bon là, du coup, on, on est confiné, confiné, mais c'est toujours pareil. Interdit de week-end, interdit de sortie, interdit de tout ça, mais par contre, euh, blinder dans les transports pour aller au taf, ça, c'est toujours un truc qui m'a fait rigoler. Je suis très acerbe. Envoyez-moi du soutien, s'il vous plaît. Ça va être très compliqué. Parce que autant... Et encore, hein, toute raison gardée. Il euh, y en a qui sont confinés dans des, dans des appartements de 12 mètres carrés. J'imagine pas leur... Euh, C'est l'enfer de Dante. Euh, moi, ça va. J'ai juste mes deux filles et ma femme. Ça fait trois femmes à la maison. J'ai la tête comme ça, des fois. Ça fait du bien un peu d'humour aussi. Ça soulage. <laughs> Rangez vos tampax, euh, les filles. Euh... C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué de ne pas pouvoir s'aérer, ne même pas aller pouvoir aller au resto pour s'aérer. <coughs> Parce que les pizzas hawaïennes euh, via Domino's Pizza, ça va 5 minutes. Emmanuel Macron, Emmanuel Macron annonce que les crèches, écoles, collèges, lycées resteront ouverts. Nos enfants ne seraient-ils... ne seraient être durablement privés d'éducation, de contact avec le système scolaire, affirme-t-il. À ce moment-là, on ne les protège plus alors. En revanche, les facultés devront procéder à des cours à distance. Ça va, les facs peuvent rester connes. C'est le retour des attestations, annonce Macron. Pour sortir de son domicile, il faudra à nouveau fournir une attestation, annonce Emmanuel Macron. Les seules sorties autorisées seront pour se rendre au travail, un rendez-vous médical, porter assistance, faire ses courses ou prendre l'air. Qu'est-ce que, qu qui est défini par prendre l'air C'est quoi C'est un flic qui m'arrête Ah T'es sorti Non mais là je prends l'air. Les réunions privées sont exclues, tout comme le rassemblement public qui sont interdits. Il l'était à peu près déjà. Sauf quand il y a des rassemblements, euh, bah, pour Samuel Paty, où ils se sont mis un million sur la place. Sauf pour les manifestations. Sauf pour les gilets jaunes. Sauf pour, au final, non, bah, il y avait plein de manifestations publiques. Emmanuel Macron, vous ne pourrez pas sortir d'une région à l'autre. Ah, on peut plus faire de transhumanisme. Vous ne pourrez pas sortir d'une région à l'autre à l'exception de vos retours de vacances de la Toussaint. C'est <laughs> quand même histoire de rentrer de vacances, on va pas rester, t'imagines, euh, <laughs> confiné dehors, enfermé dehors. Il y aura une tolérance durant ce week-end de retour. Les bars, restaurants et commerces non essentiels seront fermés. Les bars, restaurants et commerces non essentiels seront fermés. J'aime bien quand il se répète. Au bout d'un moment, on remet pas la phrase en dessous puisque tu la mets au-dessus. Qu'est-ce que c'est des commerces non essentiels Parce qu'une FNAC, un micromania, mine de rien. Moi, c'est surtout les restos. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de resto avec les copains. Jusqu'à 10 000 euros par mois de perte des entreprises fermées. Emmanuel Macron annonce une prise en charge jusqu'à 10 000 euros par mois de perte des entreprises fermées administrativement. Le chômage partiel est reconduit pour les salariés-employeurs. Emmanuel Macron déclare que le télétravail sera à nouveau généralisé si c'est obligatoire au bout d'un moment. A l'inverse du premier confinement, les services publics, les usines, les exploitations agricoles et le BTP poursuivront leurs activités dans le respect strict des protocoles sanitaires. Le respect strict des protocoles sanitaires dans le BTP et agricole, <laughs> je ne veux pas dire qu'ils ne peuvent pas ou qu'ils veulent pas, c'est juste que c'est ce genre de métier où tu peux pas au bout d'un moment. C'est compliqué. Macron encourage la livraison à domicile et les commandes à distance. Pour les commerces, Emmanuel Macron encourage à développer les commandes à distance, les ventes emportées, la livraison à domicile, Uber Eats, se frotte les mains et tout ça. Emmanuel Macron annonce aussi que les frontières européennes restent ouvertes. Alors, on ne peut pas aller de la Meuse à la Creuse, mais par contre, si tu veux taper un trip en Pologne, vas-y. Et... En revanche, sauf exception... Les frontières extérieures resteront fermées. À l'extérieur, à l'Europe. Donc tu peux pousser à la Pologne, mais après, faut pas déconner non plus. Les personnes en situation de handicap bénéficieront de souplesse. <laughs> bon allez mon gros, fais-moi un petit genou flexion. Ça m'a fait rire. C'est tellement mal amené la phrase qu'elle m'a fait rire. rire. Les personnes en situation de handicap bénéficieront de souplesse dont elles ont besoin. Tu m'étonnes, si elles sont handicapées, bah, elles ont besoin de souplesse beaucoup. En cette période de vacances de la Toussaint, Emmanuel Macron annonce que les cimetières resteront ouverts. Je veux que nous puissions continuer à enterrer dignement nos proches. Aux vulnérables et aux personnes âgées de plus de 70 ans, Macron demande une vigilance accrue, citant notamment moins de réunions avec la famille, avec les amis, même si c'est un crève-cœur. Mais on garde les EHPAD ouverts. L'application de l'ensemble de ces mesures se fera dans la nuit du jeudi à vendredi et à minima jusqu'au 1er décembre. 1er décembre. Bah juste pour... Ouais, ça... En fait... Je viens de penser à un truc. Cyberpunk devait sortir. On est confiné. Mais genre, calendrier. Plus que phénoménal. Il est retardé. Et finalement, il va sortir au moment où on finit le confinement. Calendrier optimalement zéro. Pff, drapeau. C'est le pire move de la planète de la part de CD Project. Un vote au Parlement jeudi, un débat sur un vote sur l'ensemble de, euh, des mesures se tiendront demain au Parlement, tandis que le gouvernement détaillera jeudi l'ensemble des mesures et on en comprendra un peu plus. De ce côté-là. Jean, Kastex, pff, je vais pas y arriver. Jean Castex annoncera une conférence de presse en détail jeudi 18h. Voici la liste des déplacements autorisés. Course de première nécessité dans des établissements autorisés. Se rendre sur son lieu de travail avec un télétravail privilégié. Donc on pourra quand même aller travailler au final. Parce que le premier confinement, on ne pouvait même plus aller travailler. Il fallait... enfin, Ça devenait très compliqué. On pouvait prendre, ah, prendre l'air, prendre son domicile. Rendez-vous médicaux, ne... Rendez médicaux ne pouvant pas être assurés à domicile. Assurer son enfant, accompagner son enfant à l'école, à la crèche. Porter assistance à la personne vulnérable. Il y a aussi quelque chose que je n'ai pas retrouvé là-dedans. Et je ne sais pas si c'est moi qui me suis trompé ou si, si je l'ai entendu de travers. N'hésitez pas à me confirmer. J'ai cru aussi comprendre qu'il demandait aux gens d'une même famille de porter le masque. À l'intérieur de la maison. Et on arrive... On est à deux doigts, franchement, Mr. Castex, c'est le moment ou jamais de rentrer dans la légende parce qu'on est à deux doigts euh, de retrouver la vidéo que j'ai faite qu il n'y a pas si longtemps que ça, qui est ici. <laughs> la Grande-Bretagne interdit le sexe pour lutter contre le Covid-19. Euh, si vous voulez regarder, le lien est dans la description, dans les fiches. Et on se retrouve pour d'autres vidéos... À parler de Geekry et de jeux vidéo. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à soutenir la chaîne et bon courage pour ce reconfinement saison 2.